Regarde, il gonfle des balles en plastifié. Il sort son crotte de nez. Il souffle son nez. T'as vu? Et il nous montre un nez. C'est quoi ça, un nez? Nez néfaste. Regarde la pilule bleue. Oh, mal. C'est pour avoir des enfants. La télé du futur. Qu'est-ce qu'il fait là? 2050 ça. C'est nul. À quoi ça sert? Salut, c'est moi, trop. C'est pour faire des cartes de bébé. Regarde les cachets. Avant, comment j'envoyais des cachets, mais c'est en limite. Franchement, tu peux être accro. Là, je me suis calmé, là. Regarde, c'est les jus de mouches. Les mouches qui fument zup. Oui. Pourquoi waouh? C'est gluant. C'est très gluant. Mais les filles, ils aiment bien avoir des gluants dans les mains. Regarde, comment il fait le steak haché. Mais non, c'est des pommes. Mais non, c'est des steaks hachés. Pourquoi ce serait des steaks hachés? Bah, parce que c'est rouge. Regarde. Elle a des belles mains. Le savon. Oh là là, tout ce qu'on peut faire avec ces belles mains. Ça coule. C'est quoi ça? C'est pour les iPads qu'on a vu tout à l'heure. Le téléviseur. C'est miniature. Ouais. Ça fait plus classe. Un fumoir. Ça fait plus classe dans ta poche. Ouais. Les pâtes à beignets. Oui. Beignet, c'est quoi ça, beignet? Tu sais, c'est un truc. On dirait un prénom de quelqu'un, monsieur beignet. T'as vu ça? Ça, on dirait le caca du matin. C'est il descend vraiment comme ça, il prend son temps. Mais quand il sort, ça fait du bien. On dirait que t'as fait sortir un ennemi. C'est quoi ça? Bizarre. Un globe terrestre. Qu'est-ce qu'il va nous sortir là? Ça, le truc est coincé dedans. T'as vu ça? Il va nous le vendre. T'as vu le fromage de Chine? T'as vu comment il le coupe en 2022? C'est ingénieux, T'as vu, c'est très ingénieux. Le fromage. Magnifique. La terre mouillée. Il enlève toute la terre mouillée. Un jour, je me suis bloqué dans une terre mouillée comme ça. Et je suis resté une semaine. Mince. Et après, il y a un mec avec une traclopéteuse. Il est venu me sortir et... Heureusement. Et il m'a cogné avec la tête. J'imagine, c'était pas facile. Je l'ai engueulé. Je lui ai dit, fallait me le laisser. Si tu comptes me faire mal comme ça, laisse-moi ici, frère. Et pars. Je dis, tu fais le gentil, tu me sors, mais doucement. Regarde, une traclopéteuse. Il y a de la poudre qui sort. Je sais ce qu'il fait. Quoi? Il cherche les renards sous la terre. Les renards? Parce que quand tu creuses, tu les trouves. Exactement. Après, tu peux. Ils se mettent sur la terre. Regarde ce que c'est. De la pâte à modeler. On dirait que tu fais caca. T'as vu comment ça sort? Ça, c'est quand tu fais caca avec tes amis. T'as mangé un kebab qui est mal passé. Il ressort tout. Moi et mes amis, quand on fait caca, laisse tomber. Tu fais quoi là? Il met un câble. Et après, il met du sel. Il met du sel. Mais pourquoi il a mis une pièce? Il fait de la magie. C'est de la magie noire. Il a cassé une fleur. Il veut nettoyer sa salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? Mais regarde. T'as vu quoi? C'est t'inquiète. Rien à voir. Regarde ça. Il nettoie sa salle de bain. Un nouveau produit. Regarde ce qu'il fait. Il tond les trucs. Il tond les coupe-cheveux. C'est les tondeuses là. Elle est forte. Regarde comment elle fait. Le magasin. C'est au Maroc ça. Green or yellow? Green. C'est orange. Green, orange en anglais. On a dit quoi déjà? My name is Stain. Ou yellow? On a dit quoi? J'ai gagné. Oh, gâteau de joyeux anniversaire! Allez, joyeux anniversaire! Non, mais c'est bête. Mais je le mange quand même. Il y a écrit quoi? Abonnez-vous là. Il y a écrit abonnez-vous les gars. Abonnez-vous parce que c'est écrit. Je l'ai lu. Numéro 5. Rien du tout, c'est parti. J'ai 5 ans en fait. C'est quoi ça? Regarde, il comme un papillon. C'est un avion papillonique. Papillonique? Papillonique, c'est quoi ça? On dirait qu'il le dévierge. Il a mis un corps dedans. Regarde, on dirait la maison des abeilles là. Tu vois ceux qui font... Ils sont tout collés là. Ils font du jus de mouche. Ouais, c'est quoi ça? C'est une fumée un rouge. Un toboggan. Des méduses. Non, c'est des bébés sardines. Mais non, c'est des potes transparentes. Ça, c'est un jus que j'aimerais tellement goûter. C'est jus de banane flamboyant. Flamboyant. Mais tu vois là, ouais. Tu prends comme ça. D'accord. Tu mets dans une poêle comme ça le liquide et tu bois ça. La lave. Ouais. Incroyablement. T'as dit flamboyant. C'est flamboyant. Regarde, il fait des bijoux de collier. Regarde, il a fait des bougs. Des bougs. Regardez comment ça monte. On dirait quand le popo il veut sortir.
sortir là, il est en route. Et t'as un problème avec ton popo, sort toi. Sort comme ça. Après, il prend le premier virage. Et là, tu veux le stopper avec ta main, t'arrives pas. Et hey, il sort. C'est un peu trop détaillé tout ça. Hein. Regarde, du Coca-Cola en bouteille. Enfin, en plastique. Parce qu'il y a des pays, ils ont Coca-Cola en plastique. J'ai pas Coca-Cola. Oh non. Pourquoi il casse mon téléphone? Pas un téléphone, c'est un iPhone. Moi, je l'ai donné. Sinon, et les tout, gens qui ont des iPhones, ils vont pleurer. Oui, c'est pas un téléphone, c'est un iPhone. Mais c'est mon téléphone. Bah, il le répare, ça. Il le démonte. Je l'ai passé hier. Regarde, une perce arbre. Une perce arbre. Une perce arbre. Waouh, elle perce les arbres. Oh my god. Oh my godness. Pour combien tu t'assois dessus? Zéro. Ok, zéro. Et toi? 1000€. 1000€? Ouais. Mais tu seras, t'auras plus rien. Bah t'inquiète pas, je suis vacciné, je risque rien. Devine le pays. Alors, de l'eau. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Gouttelette, gouttelette. Une goutte d'eau, Somalie. Non, ils ont pas d'eau. Mais pour... là, ça a rien non. à voir là. Pour... Argent. Okay. Déjà, c'est pas l'Afrique. Il y a ni d'eau, ni d'or. Tu vois, il y a rien. T'es déjà allé en Afrique? Bah oui, j'ai été en Africanie. Genre, j'ai déjà tué un lion, j'ai déjà mangé un ok. Donc là, on a du blé. On a de la moula. On a de l'oseille. Oh. On a des pesos, on a des plata. Oh, d'or. Oh, d'or. Oh, d'or. Je suis sûr que c'est un pays. Oh, d'or. Regarde. Ok. Autriche. Oh. Ah, les autres riches. Autriche. Donc, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal. Moi, j'aime franchement, bien. J'aime bien le jeu de mots. Autriche. Mais les gars, ils auraient pu rajouter un petit thé quelque part, tu vois, histoire que ça soit crédible. Ouais. Devine les animaux. Alors, qu'est-ce que c'est? R. Comme R. Un Mickey Mouse. Mickey Mouse et un savon. Avec des bulles. Savon, c'est moins de 18 ans. Attends, vite, dit. Parce que R, Mickey Mouse, savon. Tom et Jerry. Hein? Un rat, regarde. Raton laveur, raton laveur. Raton, raton laveur. Bah oui. Je suis intelligent. Wow, t'as trouvé. Yeah. It's very intelligent. Give me five. Yeah. Regarde, il a trouvé ça dans une caverne à or. Prends ton pour lui là. T'as vu, ça c'est comme ça qu'on trouve l'or dans les cavernes à or. C'est pas cool hein. Et t'as vu, ça fait de la pâte d'or pour faire des bijoux de collier. Pas mal hein. Super beau. Waouh, qu'est-ce qu'elle met là? Ah, elle met les bébés de serpent. C'est les œufs de serpent. Non, c'est mieux que c'est cruel. Ah non, ça se fait pas. Je vais porter plainte contre... Oh, il devient des spaghettis. Oh, même pas, regarde, ça veut pas. Il veut pas du mourir. Merde. Waouh, ouais, c'est quoi ça? Mais c'est des croquettes de chiens. Des croquettes de chiens colorées. Elle s'amuse avec la nourriture des chiens. Ça doit être pour les chihuahuas, ils adorent les couleurs et tout. Oh, non. Ah ouais, sûrement hein. Et des chiens, ils ont pas à manger dans ce monde et elle, elle joue avec la nourriture des chiens. Ah, c'est triste hein. Franchement... Moi qui mange du chien. Regarde ce qu'ils vont faire avec ce gâteau, c'est vite incroyable. La meuf, on dirait pas la meuf dans Shrek, la princesse dans Shrek. Oh, de fou. C'est princesse Fiona ou un truc comme ça, Fiona. Faina. Ah, je... C'est princesse Faina, c'est ça, bah oui, quoi, c'est là, ça. Il a fait un champignon. Bah, un champignon de chocolat. Chocolat. Enfin, je pense que c'est de la colle, on dirait. On dirait pas de la colle. C'est de la couleur avec de la farine et de l'eau. Ah ouais. C'est tout. Oh, c'est quoi ça? C'est un crocodile. Un crocodile. T'as vu comment il a ramassé? Ah ouais, il l'a balayé crocodilement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est des boules de glace. Et genre, il prépare les boules. Regarde un chat. Regarde, il y a un chat. Trop mignon, il a bien coiffé. On dirait moi le matin quand je mets mon truc contre mes mains. C'est des chats de sac. Tu te promènes avec dans la rue. Des chiens de sac, regarde. Une triple salopette, là. Comment ça s'appelle, ça? Les randolettes. Les randolettes super rapides. Franchement, je connais pas. Regarde. Les cascades. Waouh, la mer qui fait pipi. C'est quoi ça? C'est un ver de désert. Je te raconte l'histoire. Un jour j'avais un pote, on était moi et lui dans le désert, on se baladait pendant 2-3 jours dans le désert comme ça. Et là il veut faire pipi. Il y a un truc comme ça qui lui saute sur son truc, il le mord. Quoi? Mon pote il me dit frère, t'es obligé de me sucer. J'étais mec. Tu l'as fait? Je suis un bonhomme, je vais pas le faire. Non, la vérité tu. Mais après il était en train de mourir, j'avais pas le choix. Normal, c'est entre amis, c'est rien. Des fois entre meilleurs amis on se dépanne, tu vois. C'est bien de s'entraider, tu vois. Tu me dépannes aujourd'hui, je te dépanne demain, tu vois. Et il t'a dépanné? Bah il est mort. Après, j'ai eu le seum parce que tu vois, je l'ai sucé pour rien. Ouais, je suis triste, ouais. Regardez comment on fabrique les scandalettes. Ah, j'adore. Celle-là, j'aimerais tellement l'avoir. En ce moment, je suis très attiré par le rose. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'adore le rose en ce moment. Genre les t-shirts roses, les slips roses. J'ai tout en rose en ce moment. J'adore acheter du rose. Oh, il découpe quoi là? On dirait pas du jus de mouche là. Quelle mouche jaune, là. Qui fait bzub bzub bzub. Ah, les mouches qui font bzub bzub bzub. Ah, les mouches jaunes là. Ah, un jour, elle m'a mordu le nez. Elle mord pas. Ah, elle m'a bordé la quéquette alors, c'est pour ça elle est grosse. Oh, une balle de golf. Ah, le golf manuel, j'adore. Oh, une bisballe. Ça c'est le bisballe, j'adore le bisballe. Hein?
Un ballon de club de danse? Ah, ça, je mangeais ça quand j'étais petit. Oh, une balle d'Iknamesoko! Hein? Parce que c'est bizarre, elle a rien. Ah, oh, des balles de bio! Oh! Ah, oh, un tyrannopisor! T'as vu, c'est trop mignon les tyrannopisors! Ah, oh, une balle d'épic! Ah oh, non, non, ça tu l'as touché avec ta main, t'as mal! Oh, des balles de sport d'hommes! Ils sont plus là. Jouer pour les filles, c'est avec ça, ils frottent les CV1, les vaisselles, tout ça. C'est quoi ça? Des shampoings? Ah, ça fait caca! Oh, gel pour les dents! C'est quoi ça? Alors, comment appelle-t-on les habitants des États-Unis? Les États-Tenois! Oh! T'as vu, je suis fort, hein! Chérie, j'ai envie d'avoir un compte OnlyFans Premium, s'il te plaît! Ouais, c'est quoi? OnlyFans, c'est facile, c'est juste un truc d'animé, genre c'est un truc de dessin animé, genre un truc de comme Netflix, mais en mieux! Oh. D'accord. Ouais, genre tu vois à travers et tout, 4D, comment 3D. Ça, tu vois à travers. Non, mais c'est trop bien, t'inquiète pas. Non, j'ai pas compris, tu vois à travers. T'inquiète, c'est trop bien. Ok, bah vas-y. Tu me le payes, c'est 30 euros par jour par contre. 30 euros par jour? Ça va, t'as l'argent maintenant. Allez. Ok, chérie, vas-y. Merci, tape là. Yeah. Oh non, pas le tractopizor. Non, le tractopizor en sueur. Non, 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 le pauvre. Oh mon cher, je suis tractopizor. J'aurais tellement aimé être à ta place. Je mettrais TK à la place et pas toi, non. Oh, il a rien eu. Ah, il est vacciné. Oh, balle de golf. C'est trop rigolo, j'aime bien. Ouais, un jour j'étais au Maroc et je faisais ça genre sans les mains, genre j'étais juste assis comme ça, tu vois. Et genre ça volait genre plus haut que ça même et j'avais même pas peur, vraiment sans les mains. Alors comment appelle-t-on les habitants de la Belgique? Les habitants de la Belgique, je pense, je suis sûr, les Belginois. Oh yeah. Je suis fort hein. Game 5. Yeah, yeah. Comment savoir si t'es connu sur Google? Tu sais que je suis très connu moi. Là quand je vais, quand, tu vois quand je vais sur Google, ouais. Dès que j'écris mon prénom, je vais me trouver. Incroyable, regardez. Attends, je vais écrire quoi? Je vais écrire 6 ma. Regarde, j'écris 6 ma. Je vais sur images, oh, et regarde. Sisma, il j'écris 6 ma, j'ai des machines, je suis pas dessus. Ah, je suis là, c'est bon, oh, je suis là. Bon. Je suis là. Oh. C'est quoi ce fruit là? On dirait pas genre un crocodile. Crocodile, un fruit? Grenouille. Ouais, une grenouille. Une grenouille, plutôt, un fruit, ouais. Plutôt, ouais. Ah. Parce que crocodile, non. Il a la peau d'une grenouille, tu vois. Ah. On sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oh. C'est bizarre. Regarde l'intérieur, regarde. Tu vois ce qu'il va nous montrer l'intérieur? Oh! Oh! Je m'attendais pas à ça! On dirait un mélange de tomates et d'orange. Ouais, avec aussi de l'ananas, c'est de la banane. Ouais, regarde le milieu. Il y a une grosse banane dedans. C'est ça! Je pense qu'il y a plusieurs mélanges de fruits. J'adore les grosses bananes. Mais c'est quoi ça? On dirait des lentilles séchées. Ouah, non, on dirait les trucs de voyous là. Tu vois, quand on fait les découpes, ils disent: je découpe la palette, la capette, la sapette. Et après, il dit: ouais, je vais le vendre dans la cité et tout ça. Ouais, ces trucs de voyous. Hein. Ah, ils sont. J'ai peur d'eux, moi. Un jour, j'ai frappé un, il dort pendant une semaine. Ouais. Devine la ville! Alors. Là, tu vois la petite tour, je l'ai déjà vue. Ouais, je l'ai déjà vue, moi, dans c'est un. C'est super beau. C'est la tour d'Hercule. Bah ouais. Herculus, il peut pas quitter. Rien pas quitter. Je pense que la ville, c'est très simple, c'est Nîmes. Nîmes, ouais. Moi, je dis aussi Nîmes, sud de France, Nîmes. Ouais, c'est sûr. Exactement. Dites-moi en commentaire, les gars, quelle ville vous avez trouvé, mais moi, je suis sûr. Je suis déjà parti en plus. Vrai? Bah ouais, je me suis battu avec un taureau. Ouais. Je l'ai pris par les cornes et je l'ai fait presse de judo. Bam! Il a pleuré. Ouais, les larmes. Le il a fait deux larmes là. Il a versé la troisième, j'ai arrêté. C'est toi qui as pleuré? Moi, peur de taureau. Taureau, il fait 500 kilos, j'aurais peur de lui. Il arrive devant moi, je l'ai attrapé par le corne. Pam, balayette, il est tombé. T'as entendu ce que t'as dit, 500 kilos, point barre. T'as mais alors, je fais 150. Alors, devine l'animé. Alors, là, on a des côtelettes de poulet. Mmh, et à côté, il y a quoi? Succulent, j'adore côtelettes de poulet. Un sandwich. Mmh, un sandwich. De tomates. Et d'olives. Et d'olives. Et un double épée. Avec un petit cheddar. Pardon. Un double épée, ouais. Ensuite, alors? Donc ça veut dire ils attaquent la nourriture. Donc c'est des gâcheurs de nourriture. Ils se battent pour la nourriture. Ils se battent pour la nourriture. Les guerriers du poulet. Les guerriers du poulet. Ouais. Les combattants du poulet. Le combat du poulet. Le combat du poulet. Magnifique. Yeah. Ils forment une bonne équipe. Comment appelle-t-on ce Pikachu? Alors? Oh, Pikachu. Comment appelle-t-on ce Pikachu? Il a une queue bizarre. J'aime bien les queues droites, moi. Les queues comme ça, j'adore, ça m'en. J'adore les Pikachu, mais j'arrive pas à donner son nom. Moi, je dis il a une queue en forme d'électrodiode. Ouais. Tu vois, il a les joues rouges là. Parce qu'il est timide. On dirait qu'il s'est fait bifler, mais bon, non, ça c'est pas un problème. Il est timide. Ouais, il est timide. Moi je dis, il doit s'appeler un Electropika. Oh. Electropika. Un très bon nom de Pikachu, ça. T'as vu ça trouvé. Un Pikachu qui s'appelle comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable les Pikachu. Les gars, je suis fan du dessin animé Pikachu. J'adore. Moi, j'adore les Pikachu. Ouais, moi aussi. Oh non, en plus il a les yeux de baleine. Oh, oh non. Ah. C'est pour jouer dans un film. J'espère bien. Oh, c'est tellement satisfaisant! Regarde, regarde! Ah ouais. Oh. Oh! Calme-toi aussi! Oh yeah, regarde! Tu vas faire quoi avec après? On dirait moi mec, quand je me rase. Mec, à quoi ça sert? La tête.
Oh, c'est l'eau là. C'est des spaghettis colorés. C'est de l'eau. Mais non, c'est l'eau, mais changé en couleur. C'est des spaghettis. Ah bah c'est de l'eau. Ah non, c'est ah non. C'est bizarre. Oh, un peigne en couleur. Oh, il le découpe là. La machine, elle en a qu'elle le mange. Ça se fait pas. Mais ça, c'est du gâchis. Et c'est comme ça qu'on fait le parquet. Exactement. T'as 2022, c'est comme ça qu'on le fait. 2022, c'est comme ça qu'on le parquet. Fait. Et voilà. C'est facile et simple. On se demande comment on a des parquets chez nous. Je te jure, c'est incroyable. Ça. Heureusement qu'il y a des vidéos comme ça. Waouh. C'est quoi cette machine? Il met des clous. Des clous, t'es sûr? Bah, je pense que c'est juste il appuie. Hein. C'est comme un marteau. Ah non, il met de la colle, je pense. Ouais. Elle fait des pièces. C'est comme ça qu'on fabrique l'argent. Waouh. Des olives. Non, c'est des cornichons. Des cornichons. T'as vu, c'est des cornichons. Après, ça devient des olives. Waouh. Comment on fait des hugs en ce moment? C'est ça, les hugs et les chaussures d'hiver. C'est hugs ou hugs? Hugs. Waouh. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est un truc des voyous. C'est genre. C'est le truc qui fume les voyous là. Les racailles. C'est sûr? Les racailles fument ça. Waouh, regarde comment ils sont racailles. Waouh. Tu penses qu'il va faire quoi avec? Un ciseau de bois, c'est incroyable. Ah ouais? Waouh! Oh la technique, c'est pour pas que les bois ils s'échappent. T'as vu, parce que si tu fais pas ça, le bois il s'échappe. Hein. Bah ouais. Il s'enfuit et tout. Mais il est intelligent! Mais c'est trop fort, je vais la faire moi. Waouh, regarde-moi ça. C'est de la poterie. Mais tu sais ce que c'est, regarde ce qu'il va faire. Ouais, il va faire regarde, quoi? Regarde juste. C'est un bol de céréales, c'est comme ça qu'on les fabrique. On fabrique le bol et après on fait le fond. Ah, non, mais le bol, il a fermé le bol justement. Mais non! Wow. Oh, des bananes! T'as vu la banane géante? Toi, comment il la coupe, c'est excellent. Regarde, wow. J'ai jamais mangé. J'aimerais bien avoir une grosse banane comme ça, moi. Pourquoi?